Berthe Morisot aurait été une amie de Manet. Lee Miller, l'une des muses de Man Ray. Dora Maar, une des compagnes de Pablo Picasso. Etc, etc, etc. Muse, épouse ou proche d'un tel ou un tel. Et si on en finissait avec l'idée de muse et la préposition « de » Et si l'on mettait toutes ces filles en feu, en lumière, bien au centre du tableau de l'histoire de l'art? En 2021, Maria Llopis, accompagnée des étudiantes de son cours d'art et féminisme, se sont pointées au musée Picasso de Barcelone, habillées avec des t-shirts noirs et blancs portant des messages clairs et nets. Noir sur blanc, blanc sur noir. Picasso, barbe bleue. Picasso, abuseur. Dora Maar, présente. Queríamos tener la obra de Picasso delante y que la persona que está paseando por el museo, que está disfrutando de una visita en el Museo Picasso, al ver la obra de Picasso pudiera también tener presente pues esta otra realidad, ¿no? que vive paralela. Dès les années 30, Dora Maar, qui a alors à peine 20 ans, est déjà à la tête d'un studio photographique spécialisé en publicité et mode. Elle pratique le photomontage et le collage. Et elle excelle dans la photographie de rue. Elle est à l'épicentre du surréalisme. Un jour, Pablo Picasso la repère parmi tout ce beau monde de magots. Il tombe immédiatement sous le charme de Dora. Et Dora, sous le charme de Pablo. Empezó una relación con él cuando tenía 30 años y que dejó de producir obra a raíz de empezar la relación con Picasso. Queríamos señalar lo importante que fue su obra y también señalar por qué su obra dejó por qué su obra tuvo ese parón. Ici, au musée Reina Sofía de Madrid, on a souvent du mal à se frayer un chemin pour rentrer dans la salle 201. La raison? Ceci. Guernica. Sur le mur en face, une série de photos prises au printemps 1937 nous permet de comprendre le processus de création de ce chef-d'œuvre. Et elle a été prise par... Tiens, tiens, Dora. On raconte que Dora aurait même peint les rayures du cheval. Sur les conseils de Picasso, Dora met en veille sa carrière de photographe pour se consacrer à la peinture. Et surtout, à l'œuvre de monsieur. La razón por la que yo traigo a Dora Maar a mis clases, aparte de para poder ver su obra y disfrutar de la obra fantástica que tiene pre a que se dedicara a la pintura y a fotografía el Guernica, es la de saber identificar cuando hay algo, una relación sentimental o cualquier otro suceso en tu proceso vital que hace que se frene tu carrera artística. Dora devient la muse ayant inspiré la série de tableaux La femme qui pleure. C'est un sujet qui obsède Picasso tout au long de l'année 1937, alors que l'Espagne est en pleine guerre civile. C'est le symbole d'un peuple qui souffre. Le maître tourne et détourne la figure des Mater Dolorosa, soit des représentations religieuses de la Vierge des Douleurs, très présentes dans la culture espagnole depuis le Moyen Âge. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces femmes qui pleurent? Que los retratos de Dora Maar llorando. Se utilizarán de alguna forma para representar lo que representan realmente, que es un retrato de una mujer maltratada. Lorsque Picasso l'a quittée, elle fait un séjour en hôpital psychiatrique. À sa sortie, Dora aurait dit « Après Picasso, seulement Dieu ». La traversée du deuil des années Picasso lui prend une bonne quinzaine d'années où elle se réfugie dans la psychanalyse et la religion. Mais l'artiste en elle finit par refaire surface. Devenue peintre, elle a peut-être trouvé une forme d'apaisement. L'observation des paysages lui inspire des peintures abstraites. La liste d'artistes restés à l'ombre de leurs compagnons est longue. Camille Claudel, Lee Krasner, Jeannette Buterne. Serait-il temps de transformer les larmes en colère? De quitter l'idée des muses serviles, anonymes et dépitées, des muses ultra belles et inspiratrices, pour assumer enfin que ce sont des artistes à part entière? À quelques pas du tableau Guernica, un autre chef-d'œuvre trône au musée Reina Sofía. El cuadro de Ángeles Santos, El Mundo, que nada, que lo he visto por primera vez hace unos segundos mientras veníamos para acá, me ha parecido, o sea, me ha asombrado la potencia que tiene, ¿no? Es un cuadro, es surrealismo puro, ¿no? Y está evocando como un mundo de fantasía, de ángeles, de sueños. Devant les tableaux de la jeune peintre, le poète Federico García Lorca s'est exclamé: On dirait des Picasso, ce sont des tableaux d'Ángeles Santos. Point.
esta artista que con 18 años pintó ese cuadro de 4x4 metros maravilloso, a los 28, a los 38, a los 48, a los 58, tendría que haber hecho el Guernica. O sea, ese es el proceso natural de creación en un artista. Pero para las mujeres muchas veces ese proceso se ve frenado por esa institución, sea del tipo que sea. Quant à Dora Maar, on attend toujours un musée qui lui serait consacré.